Salut tout le monde, salut Dr. Jones, comment ça va? Bon dimanche à vous, merci pour ce sub. Oups là. Merci pour ce resub. Comment ça va? Je suis au saut du lit. Ok, je m'entends. Je vais me couper la parole. Ok. Je suis au saut du lit. Bon dimanche à vous, j'espère que ça va bien. Ah, je me rends encore, ok. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ça fait du bien. Ok. Ça c'est bien, ça c'est bien. J'espère que tu ouvres toutes tes fenêtres. Salut Jonathan, comment ça va? Ça te... Je t'attendais. J'attendais que tu sois prêt. Pardon, j'ai encore un peu les yeux collés. Comment ça va les copains? Comment ça va? Est-ce que ça va mieux, Dr. Jones? Est-ce que ça va, Jonah? Comment s'est passé votre week-end? Comment il se passe encore? Donc on est sur les branchements. On va se faire du Zelda ce matin. La Switch est branchée, je crois que la Switch pas branchée parce que j'ai branché la PS4 pour installer Red Dead. Ça va pas mieux. Bah écoute, moi rien de plus, rien de moins. Ah, attends, elle est où la Switch? La Switch, t'es où? Ouais. Voilà. Ici rien de plus, rien de moins que le début de la semaine. Oui. Rien de plus, rien de moins. Toujours. Bon, la voiture, toujours au même point. Et puis voilà quoi. C'est pas dommage. Ah, mais c'est qui râle ça en ce dimanche? C'est qui râle ce dimanche? On me dit. C'est bien français, soit monsieur. Très très français. Donc. Donc on va s'y mettre. T'as encore le marteau facile quand même. C'est que t'es pas en si mauvaise forme que ça, Dr. Jones. Donc on va passer sur. Hop. Et en plus la Switch a démarré direct, c'est pas beau ça. C'est bien assez rare. C'est pas arrangé avec madame. On ne râle pas. Mais si on râle, c'est une chaîne française, il faut râler. Est-ce que tu t'es. C'est la Switch qui s'est éteinte parce que j'ai pas allumé la manette assez rapidement. Ah voilà. C'est ça, j'avais pas allumé la manette assez rapidement donc. Mise à jour. Forcément, ben voilà, pour aller par la mise à jour. On est vrai, je suis. J'irais même plus qu'un petit streamer n'est ni en avance ni en retard. Il est pile poil à l'heure. Ouais, j'ai 10 minutes de retard. Il a fallu le temps de sortir du lit et de me préparer ce petit jus d'orange. Qui s'est dit chez Capcom que c'était une bonne idée de faire une chanson avec un mec qui fait juste comme par hasard comme je recommence. C'est te piquer des gens. T'es en live? Non, t'es pas en live. Hein. Faut pas te piquer des gens. Pas du tout. Euh.
Alors par contre, ça serait bien si je me mets le jeu un peu en plein écran, parce que je suis comme un con en train de regarder mon retour. Ça sera beaucoup mieux là. J'espère que ça va s'arranger, Dr. Jones. Pas beau ça, il pleut. Et le jeu avance tout seul, pas beau ça. Ok. Oui, j'ai oublié d'arrêter la musique. Mais je laissais un peu l'intro. Mais je suis en train de me mettre à jour sur TVOD à ce propos. Oui, ok. Donc nous sommes là. On va aller à la montagne de la mort. Ça a l'air tellement accueillant. Ok. Moi, je pense qu'on va se mettre à suivre ce gros volcan qui a l'air très accueillant. Allez, on y va. Et comme ça, on va se faire le dernier sage et on va continuer à avancer sur le jeu. Et les prochains lives, donc semaine prochaine, ce sera un peu plus de, comment dire, plus de sanctuaires et de trucs divers, et puis on va continuer petit à petit. C'est une auberge que je vois là-bas, la petite fumée, non? Bah oui, non, mais t'inquiète pas, on peut continuer à en parler ici, hein. Tu sais que ma porte est toujours ouverte. Hein. La fenêtre aussi. J'aimerais voir la côte. Oula, t'es... Jolie coupe de cheveux, toi. Tiens, ça fait longtemps que tu... Oh, c'est un Iggy, ça? Ok. Non, c'est pas un Iggy. J'ai pardonné. Si tu plies bien la carte, c'est pas si loin que ça. Et bon, allez, on va dire que mon Discord est toujours ouvert. Pas de soucis. Est-ce que j'ai débloqué cette jolie auberge ? Je ne pense pas. On va faire 2-3 points. Ah non, je l'ai déjà vu. Je vois rien. Ok. Exactement, exactement, à l'échelle de l'univers, ce n'est pas très loin. Alors est-ce que lui, on va pas le débloquer, parce que c'est fait. Ouais, un vol de piaf, ouais, ça va pas loin. Hop. Il y a des planches à la gueule. Est-ce que ça rentre là? Alors.
sûr que ça tiendra pas, mais je vais essayer. Aussi, il va se toujours se foutre dans des endroits lui avec son panneau à la con. J'avais compris les gens qui étaient plus en bas. C'est parce que tu t'es jamais baladé sur une cigogne, c'est pour ça, c'est tout. Allez, bienvenue dans Bob le charpentier. On va voir, on va faire un truc qui va bien tenir là. T'as jamais vu Bernard et Bianca au pays des kangourous? T'as vu la taille des aigles, on peut voler à dos d'aigle. Je vais me le prendre dans la gueule. Tester. Faut celui que ça tienne, on s'en fout. C'est ce joli. Ah, pas beau ça. Est-ce que je suis pas un méga bricoleur? Je vais pas vraiment avoir rack, hein. Ok. Allez, donne-moi les trucs. Takundelich. C'est de l'art. Allez, c'est bon. Continue à aller en direction du mont du péril. J'ai vu Christopher Lloyd était à Toulouse cette année. On fait une petite tournée là, des conventions européennes. Donc je pense que... Bah, c'est bien. C'est cool. Je le verrai pas. Nom de zeste. Nom de zeste ? Ils sont dans une maison là avec des... Garde le pont. On va leur péter la gueule. Une petite fleur de confusion. Et mettez-vous sur la gueule, je vais juste vous regarder. C'est bien comme objet n'empêche. Fait.
Allez, fritez-vous. Ouais, ils ont changé d'endroit. Attends. Ah bon, ils ont changé d'endroit ? C'est plus au truc des au truc du prince ? C'est plus au manoir du prince, la bonne conne ? Ah non, va friter ton pote. Ouais, c'est ça, c'est au manoir du prince. Ouais, ça fait quelques années que ça a changé, que c'est là-bas. Attends, on va le surprendre, lui. Il en reste deux. Bon, allez, mettre une flèche de confusion dans les fesses. Ouais, ça c'est un petit moment qu'ils ont changé d'endroit. Parce qu'en fait, Popcorn, c'est associé avec les propriétaires du manoir du prince. Donc forcément, au moins, il est comme ça, il paye pas le dieu. Il en reste un. Il est où Jean-Michel ? Il en reste un, je sais pas où il est. Ouais, ça fait plusieurs années que ça a changé d'endroit. Plus que ça a changé avant que je parte même. Ok, là y a rien. On est où? Ouais, si je vais là, je me dirige dans le mauvais sens. On va donc traverser le pont parce qu'on est des bonhommes. Mais il y a l'air d'y avoir rien. Il y a quelques ruines et un loup. Ah, il y a un corps au goût par là. Suivre les flèches. Oh le petit. Voilà. Bien, je souris. Non, je sais pas. Là, on a une abîme. Est-ce qu'on l'a faite, c'est déjà d'abîme? On l'a pas faite, faudra la faire. Un petit campement. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas le but de la journée. On a dit qu'on allait au mont du péril. On va pas se laisser distraire. Il est où le dernier ? Il nous faudrait. Est-ce qu'on a une petite fusée à utiliser ? Caillou. Je fais de la merde.
C'est pas l'air. C'est le caillou que je voulais utiliser finalement. Si je fais ça. Alors, voilà. Mais c'est ça, ouais, ils sont sur leur petit truc. Ça a l'air de bien marcher, donc c'est cool. Je sais pas ce qu'ils prévoient comme invité, parce que ça doit être, c'est dans pas longtemps, c'est en 15 jours, là, ou c'est la semaine prochaine. Y'en a un d'entre vous qui va y aller? Je peux pas? Bon, je veux pas. On va se diriger. Plus de parabole. C'est par là. Sinon on va encore se dérouter de notre chemin. En novembre. Ah, par contre ça a un peu bougé les dates, 6 novembre. T'es sûr que c'est si loin que ça? Habituellement c'était septembre. En plus là ils commencent à mettre les affiches et tout, donc il y a nos noces. Parce que TGS c'est novembre. Novembre, fin novembre, début décembre. À moins qu'ils soient mis en face du TGS pour leur faire concurrence. M'étonnerait. Pour le spring break en novembre. Mm-hmm. Ça se tient. Le faire. Voilà, 9 et 10 septembre. Mais je préfère ça, ouais. Ça semble plus logique, n'empêche. Je me disais bien. Ah, c'est où qu'il en manque un? Il en manque un. Là non? Ouais. Je sens ça. On va faire le spring break en novembre. Voilà, c'est l'été indien. Donc d'ailleurs, ça marche pas trop mal en parlant de tes vidéos sur YouTube, tes petits replays Spider-Man. Ça. Vas-y, fais du feu là, non? Ça fait juste. Dragon Ball, oui, Dragon Ball, tout à fait. Ah, c'est de l'eau thermale. De l'eau chaude, tu regagnes de la vie. Mouillé non. Écoute, en tout cas, je viens de te lâcher le like dès que je peux. Dès que j'ai un onglet ouvert, comme ça, ça te fait. C'est toujours ça en plus, quoi. C'était toujours un peu monter les stats, genre, je sais pas comment les stats de YouTube sont calculés. C'est un grand mystère pour moi. Mais
On essaye. Je t'avoue que j'ai pas regardé. J'ai pas regardé les vues ou quoi. Hop. Là on pourrait mettre un peu de musique parce que c'est. Ça va bien sur l'escalade. You're the best. Ah, c'est court. Il y a la neige là ? Alors. On va lui péter la gueule. Alors, c'est parfait la musique. Grâce au hashtag, bah écoute, ça suffit. C'est toujours, bah écoute, toujours en prendre. J'espère que ça va continuer à monter un peu en vue et puis. Oh putain, Emma. Oh là là, et si je les loupe aussi? Voilà. Oh putain. Ok. Alors. Ok. On va se faire poutrer par le fantôme de Ganon. Aidez-moi les gars là. Non. Ok, on l'a buté. On l'a buté. Mais est-ce que ça m'a libéré le truc ou pas? Enfin, que je me le refasse chez. Par contre, attends, il m'a buté tout quand j'ai bouffé de bombes. Alors. Ok. 51 bombes, ça va. Et niveau flèche.
détecté au niveau inférieur. Celui-là de sanctuaire. Voilà, on verra ça un peu plus tard. Je sais pas où il est. Est-ce qu'on pourra descendre un peu plus loin? 51? 51 quoi? Non, moi j'ai 48. Peut-être par là. Non. 51 bombes, ok. Je connais pas lui. Oh, comme il a fait demi-tour. Toutes les gens fion. Un peu de barbac. Ça peut être un peu de l'antilo parce qu'il fait chaud. Hop, nuage de fumée. Alors ça c'est quoi ça? Montagne, palier, au camp. Tout... Oh, ok, on va aller chez les Gorons tout droit. Ah, est-ce que ça serait pas ça l'entrée du... J'ai un truc avec un caillou moi. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est ça, oh non, il y a les Gorons. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous me faites chier, Corbeau. Ok. Ouais, faites votre histoire à côté là. Ah ouais, c'est Gash qui en a fait une reprise. C'est drôle. Ok. Allez, on avance. Ça tremble. Ok, c'est un Littorok. Ah, Littorok de feu. On va lui foutre la paix à lui, hein. Tout droit? Par là? Magrok. Alors. Cherche le village Goron. Petit.
Et c'est encore une partie qu'on a vraiment pas explorée à Hyrule, donc c'est cool. Même si c'est pas ma partie préférée. Allez. On avance, on s'en fout des lézards. Ah bon? Ganesh fait bien Sardou. C'est un truc dont tu peux te vanter. Bah ça a l'air d'être là dans le village Goron. T'as le petit sanctuaire en plus, ça va nous faire un petit lieu de sauvegarde. Est-ce que tu peux le marquer sur un CV? Ça imite super bien Sardou. Et c'est Pierre Bachelet en plus. Bah oui. Bah oui. Ça, c'est un truc qu'on pourra faire bientôt avec une IA où tu pourras changer les paroles d'une chanson. À contre-courant. Ok. Alors. Là, ça disparaît là. Ok, on va faire ça. Ok. Alors. Déjà, on va mettre ça là. Ça directement. C'est genre Le Pen. Ah ouais, merde. Ok, allez. Tout le monde va là. Ah merde. Ah. En fait, j'ai que des méga boucliers. Ah, si, on va remplacer celui-là. Comme je le lâche comme un malpropre. Ok. Bim. Et...
que si j'en mets deux à côté, il faut un truc plus large. Oh mais merde. Voilà. On va prendre ça. On va lui mettre ça. Et ah non, c'est tout seul. Allez, c'est parti. Allez, tremplin. Le tremplin, le tremplin. Ah non. C'était la cascade la plus molle de toute l'histoire. C'est mis à jour. Ouais, c'est mis à jour. Oui, c'est bon. J'ai des cœurs, j'ai tout ça. T'as combien de sanctuaires? Je me posais la question hier. Tu veux pas me dire? Ah si. 100 sanctuaires. Pile poil. Plus que 52. Les liens dans la description ne marchent pas. Oh merde. Mince, mince, mince. C'est toujours une... Ça serait bien de pouvoir tout gérer d'un coup, quoi. Pourquoi vous avez les yeux rouges comme ça? Alors. Ouais, ok, ils sont. Ils sont. Comment dire. Il est envoûté, un truc comme ça. Ah ouais. Ça marche, écoute, à tout à l'heure, nous on devrait streamer encore une bonne heure. Après, je vais partir donc à la. Vers le Powo au sud de Montréal. Regardez, par contre, malheureusement, je ne pourrais pas vous. Je pourrais pas vous filmer, on peut pas filmer. C'est un truc qui se vit mais qui ne se partage pas. C'est. Je peux comprendre, mais voilà donc. Il y a un truc qui va pas chez les gourons. Est-ce que quelqu'un va me filer une mission ou comment ça se passe? Un powwow. C'est une cérémonie annuelle amérindien. Un pogo. Non, un powwow.
de se baigner. Salut Jean-Michel en short. Ok. Ok, il y a un pont à réparer. Mouillé. Alors. Bah écoute, pourquoi pas. Non, je suis assez curieux de... Je suis assez curieux de leur culture, donc... Un peu ce que ça donne. C'est plutôt cool en fait d'être ici et de comment dire, c'est le principe, hein, c'est le fait d'être ici, ça... Non, je prends pas les boutons, c'est découvrir un peu la culture locale, donc bah, ça en fait partie quoi. Je suis en train de cramer, moi. Ah. Oups. Oui, t'es un peu chaud, je pense. Parce qu'en plus il faut les porter. Ok. Allez, on va sortir. Quelque chose de pourri au royaume d'Asgard. J'aimais tellement cette cette vidéo dans Last Action Hero que petit j'espérais qu'ils en fassent vraiment un film. Autre j'espère toujours hein, mais... Est-ce que si je descends avec ça chez les Gourons, ça va aider quelqu'un? Parce que là je suis chez les Gourons, ok, mais j'ai pas vraiment de mission, donc puis il va falloir une tenue adéquate pour aller supporter le feu. Alors Cléus, tiens ta main mon doux prince. Ah mais quand il sort le Uzi et tout, mais tellement... Oh. Compte. Il a une tronche lui. Il a une voix qui lui va pas du tout.
Alors, je suis pas un grand... je suis un grand fan de Bidoche, du coup, quand j'ai entendu parler de ce resto, j'ai vite répliqué. Ok. J'étais loin de me douter qu'en fait, il servait de la caillasse. Tout ce que je possède de plus rare, je dois pour te remercier. Grand top d'énergie, ok. On s'en fout. Créature non différent qui aurait été aperçue. Cette créature existe bien, il va falloir que j'en goûte. Ok. Ok. Mille rubis par silex. Attends, il veut quoi comme silex? Ouais, je peux donner, ok. Silex. Comment tu sais s'il est mûr ou pas? T'en donner. Ouais, vas-y. Ah, dommage. Silex, je m'en sors pas. Ouais. Tu as fermé ta gueule, oui. Oui, moi aussi, ma baguette magique, il faut que je la scoop pour qu'elle marche. Ça me lasse à la langue, c'est dégueulasse. Bon, ça a 1000 rubis. Je vais complètement dépenser pour acheter une fucking tenue. Elle est où la tenue? C'est la sortie du village. On va suivre les lanternes, non?
Tout trempé, il est tout mouillé. Ok, recrute, on s'en fout. Ouais, c'était pas l'endroit que j'avais plus apprécié les bourrons dans le. Ouais, il est paumé, on s'en fout. Et il est envoûté. Il n'y a pas. Dans le précédent, c'est vers là qu'on a acheté la tenue, non? Je reconnais pas du tout les lieux. Là, il y a de la lumière à la droite. On a une hygiène. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est Jack and Dexter ou quoi? Ah, c'est un. Ah. Oh. Ah. Ok. Ah. Enfin, il y a des bestioles. Bon. Moi, je veux toujours ma tenue. Ah. Ils ont des problèmes d'addiction, les Gorons. Pas en rire. Mais c'est bien qu'ils en parlent dans Zelda. Et trois chauves-souris. Ok, si tu veux. Alors, le plus gros défaut de ce film, c'est de sortir en même temps que Jurassic Park. Malheureusement, c'est ce qu'il a perdu, quoi. Allez. Voilà. Pourquoi? Avance. Youhou, c'est Donkey Kong Country.
Ah. Ok. Eh, c'est calme, hein. On va sortir de là. Je sais pas du tout où je vais sortir. Ok, je vais sortir là. Il y a des bestioles. Je fasse quoi ? Continue à suivre le chemin, écoute. Ça va tourner sur quelqu'un. Ouh, c'est pas creepy du tout ça. Alors. Ah ok, ça y est, on arrive au village Goron. Ah oui, il y a un peu plus de vie là. On va traverser le sanctuaire, ça va faire un point de sauvegarde. Ouais, tout a l'air d'aller très bien chez les Gorons. C'est le nord, c'est des mineurs, ils sont accros à la... s'appelle à l'espèce d'opioïde qui a envahi les États-Unis là. L'oxycodine. L'oxycodine dans les années 90, bah d'ailleurs c'est toujours aujourd'hui très répandu. C'est un antidouleur qui rend les gens complètement accros. Et ça a détruit, et c'était vendu par des laboratoires. Et sur lesquels ils ont menti sur le... Ils annonçaient comme quoi c'était non addictif. En montant sur les chiffres. T'as pas, hein. Amour. Oh, t'es gentil. Merci mon cœur. Il est chaud. Ok, alors on dit donc. Okay. Alors je vais mettre ça là. Eh?
Allez, tire. Ah, est-ce que c'est trop lourd? On passe. Alors. Je lui avais dit que ça tenait. Par acquis de... Je peux pas? Ok, bon tant pis. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Je vais coller comme ça. Ok, et là je peux voir traverser. Yes. Ok. On est passé. Allez, commando. Faire un chasse-neige? C'est ça que tu veux que je fasse? C'est complètement ça que tu veux que je fasse. Alors, c'est malin. C'est malin, c'est malin. Ça va attendre. Parce que je suis un peu... Je suis un peu... Le jeu est malin. Ok. Et tu reprends les lives ou pas toi du coup, Dr. Jones? Tu vas pas reprendre là? Hop là. Car il est... Ok. Ah oui, c'est vrai que ça t'attend... Tu n'as toujours pas avancé? T'as pas droit à... T'as pas une nouvelle pour ta fibre? Au début, tu vois, j'aimais pas cette formule de petit sanctuaire et j'aimais les gros temples. Et puis je me suis fait et c'est bien cette petite pointe de réflexion que tu mets un peu ponctuellement. Je suis désolé. J'espère que ça va avancer rapidement.
Alors, on tourne chez les Gourons. Des gens à qui parler par là. Il sert à rien. Alors. T'as pas la tête d'un jour de venir ici. T'as pas les journaux, l'article est assez clair, pourtant la razzia sur les pierres rouges, méfiez-vous des Gourons. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Alors. Il y a une prêtresse. Mais j'ai pas assez de. Non, j'ai rien. J'avais pas fait gaffe qu'elle avait une couronne. Allez, un cœur en plus. Ah si, j'en avais assez. J'ai pas fait gaffe, tu vois. Comment ça se te fait niveau cœur hein. Eh ben c'est quoi le prochain live? On ira battre le fantôme de Ganon. Le vrai. Qui est dans les abîmes. Ok, là, il y a des gains. Ah, j'en ai pas mal l'endurance. C'est vrai que il en faut toujours plus, hein, mais j'en ai pas mal. J'ai 3. Ça sent le saut à faire pour faire apparaître un Korogu. Il y a personne. Alors... Ah c'est bon ça. Oui. On va prendre ça. Ah shit. Alors. Salut papy, comment ça va? Comment c'était tes vacances? Comment se sont passées tes vacances? Tu viens de revenir? Mais t'es sans son toi? Tu vas lancer non? Ok, et voilà, donc on a les Gourons qui ont des problèmes d'addiction. On avance déjà un peu sur le scénario, c'est déjà pas mal. Ça critique encore la savouroche par ici. Ah ok. Puisque je vous dis que c'est parfaitement sans danger. Alors arrêtez un peu votre délire et ramenez-vous par ici, tous les deux. Ils sont sympas. Ça pour une surprise. Une tranche de Tortue Ninja quand même. Oh, en parlant de Tortue Ninja, j'ai trouvé ça vendredi. Ouais, c'est Donald Renew carrément. J'ai trouvé ça vendredi à Walmart. C'est des versions avec la carapace qui s'ouvre où tu mets des trucs dedans.
Ça coûte moins de 20$. Ça vous dirait d'en gagner une sur la chaîne? De quoi? Une tortue ninja? Quoi? Ouais? Ok. Allez, je vais aller en prendre une autre et je vous la ferai gagner, je l'expédie derrière la Noël. Je vais regarder ça. Ok, ils sont en train de se mettre sur la gueule. Dame Zelda, tu crois qu'il y a quelque chose d'étrange? Dame Zelda, j'ai entendu dire qu'il avait disparu, alors tu ne l'as toujours pas trouvé. Pourtant, avec sa belle crinière dorée, on la remarque partout. La crinière dorée, tu veux dire qu'elle a les cheveux blonds? Bah, comme la dame qui vend de la savouroche, monsieur Ling. Quoi? Et là, vous ferez mieux de vous taire si vous voulez pas d'ennui. Bref, village Goron, on peut pas plus paisible. On n'a aucun problème, Dame Zelda est pas là. Ok. T'as pas de soucis à te faire pour nous, alors pas la peine de t'éterniser ici. Okay. Bon, c'est l'heure d'aller chercher de la savouroche. Faudrait pas se faire attendre. Faudrait pas faire attendre notre fournisseur. Dis donc, Yunobo, attends un peu. On l'a assez vu, ta saleté de savouroche. Alors tu ne vas pas faire. Tu vas me faire plaisir de. Ah, c'est bloqué le dos. Mêle-toi de tes affaires, pépé. C'est pas la peine de t'énerver comme ça, tu vois bien, t'es pas en état. Allez Toka, Vator, on retourne au siège de Unique. Mais je vais vous suivre. Hein. Allez, c'est parti. Je peux pas grimper là-dessus. C'est bien, on a un objectif, on avance. Ouais, merde, descend de là, voilà. Un peu, je suis en train de prendre un petit peu de café. Mmh. Y'a pas bien, y'a pas de matin sans café. C'est pas pareil. Tiens, regarde, j'ai trois demi-cercles, enfin j'ai trois cercles complets d'endurance. Je suis pas trop à plein d'endurance. Oh, le beau sanctuaire qu'il y a là-bas. Tout là-haut. Tout là-haut sur la montagne. Oh là, le petit Korogu que je vois là. Là non le siège de... On dirait vraiment une tortue ninja avec son bordeaux quand même. Hein.
Ouais, je viens travailler. Alors. Non, non. S'en fout. Allez. Ça va, c'était le même prix. Je me suis pas fait avoir. Il y a personne devant le siège. Ah, là. Les gars, d'autres fois, ah, tu connais Pseyun ? Il est en train de négocier la savoureuse avec la dame blonde, ok. Oh, j'aime pas cette dame. Non, là, bizarre, ok. C'est vrai. En plus, il y a encore... Ah, il y a encore elle qui a donné à Monsieur Yun un masque bizarroïde pour tout le temps. On se dort le masque qui a changé Monsieur Yun alors... Ok, le contrôle. La compagnie Monsieur Yun, non, ça me fait mal au cœur de voir comme ça... De voir comme ça détruire notre village. C'est pas ça l'idée, normalement. Si on, laisse, si on te laisse passer, tu veux bien convaincre M. Yun d'arrêter d'extraire sa broche? Je vais essayer. C'est dommage. La dame blonde n'était pas venue ici, M. Yun. Oh, ça... Tiens, je vais peut-être le mardi, je passe une audition pour une pièce de théâtre. Je vais jouer le mort. Mais si. Ah non, mais c'est pas ça que je vais faire. Je suis trompé de bouton en fait. Bah écoute, merci. Ça serait entre du Agatha Christie et du Monty Python. Et ça serait ma première pièce de théâtre. Ça serait fun. Je me chie dessus. Ah voilà. J'étais trompé, juste trompé de bouton. Et manger ce qu'il faut. Ah shit. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Moi bon, juste vous retirez votre masque et vous redonnez Monsieur Yun qu'on aime tant. Hein les gars. Dame Zelda a raison, ça vous rend tout le monde heureux. Ah ouais. Ah non. Ok. Non. Pourquoi ça, qu'est-ce que... Attendre qu'ils soient dans les vapes. Ok. On est bon. On est bon.
J'espère qu'au niveau boulot ça va s'arranger. Ou que d'un autre côté ça va s'arranger. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Thorak, Vator, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien depuis que j'ai mis ce masque qu'on m'a donné Dame Zelda. Faut que je lui parle. Oui, Dame Zelda. Ah, Dame Zelda. Ok. Tout va bien, personne n'est blessé. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai cru entendre quelque chose. Enfin, on s'en inquiétera plus tard. Dame Zelda était à l'extérieur de la grotte. Hein? La dame aux cheveux blancs, c'était Dame Zelda? Il faut que je lui parle de ce masque bizarre et de la savouroche. Grouillons-nous de sortir d'ici à sa recherche. Je vais devoir percuter ces roches rouges qui bloquent l'entrée. C'est le seul moyen de passer. Le problème, c'est que je ne vois pas pendant ma charge. Ok, Link, j'ai besoin de tes yeux pour me guider. Ok. Ok. C'est bon, on peut sortir. Rattrapons Dame Zelda. Et ça roule. Dame Zelda? Mince, elle a disparu. Qu'est-ce que c'est cette fumée rouge qui sort de la montagne de la mort? Ça me dit rien qu'il vaille. Ah bon? Vous avez oublié, monsieur Yun? C'est vous qui avez dit que cette fumée était dangereuse et qu'il fallait pas s'en approcher. C'est comme ça depuis le cataclysme, quand le château d'Hyrule s'est mis à flotter dans le ciel. Il y a eu un tremblement de terre tellement fort que vous avez eu peur de la montagne de la mort. Vous avez eu peur que la montagne de la mort entre en éruption. Alors vous êtes allé vérifier. Ouais, vous êtes revenu de la montagne de la mort portant ce masque. Je me souviens. J'ai vu Dame Zelda dans le cratère de la montagne de la mort, elle m'a parlé et m'a demandé de porter ce masque. Mais alors, ça veut dire que la princesse Zelda vit dans la montagne de la mort? En tout cas, elle a pas l'air d'être ici. Peut-être il faut aller à la montagne de la mort. Oui. Je crois qu'il faut aller à la montagne de la mort. Thora, Vator, je m'en vais chercher Dame Zelda. Je peux vous emmener avec moi. Mais je vous promets de demander comment faire pour que tout le monde emprunte ses esprits. Mais faut que j'arrête de bouffer cette merde. Ouais. Link, accompagne-moi jusqu'à la montagne de la mort, s'il te plaît. Il faut qu'on trouve Zelda. C'est parti. Tu me suis ou... Tu viens. Ok, c'est bon, tu viens. Ah, il y a très certainement un sanctuaire par là. Okay.
Brûle, brûle, petit. Film. Oh, ça fait mal, ça. Tu as crevé, voilà. Premier coup. Hop. Ok. Il est mort. Ok, c'est bon, ça sert, peut toujours servir. Puis du feu. Attends que tu te recharges. On peut bouffer des bombes maintenant qu'on a une bombe quasiment infinie. Viens par là toi. Où l'entrée? Entrée là. Ok. On lance. Et après on lancera un petit raid chez Hyperion. Oh merde, un truc de combat. Ok. Ok, yeah. Ah merde. Putain. Ok, cool. C'est bon ça? Ok. 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 Il est où le dernier? Il est là-haut.
Ok, je peux pas monter là, il faut que je passe par la rétrospective, ok. Ok. Allez, pêche-toi Jean-Michel. Je peux accéder par là? Ok, je peux y accéder par là. Ok. C'était pas difficile. J'oserais pas dire que c'est moi qui deviens bon. Ok, c'est que en fait j'aurais pu en servir pour monter plus rapidement. Moi qui pensais avoir trouvé un truc caché. J'ai gaspillé une bombe pour rien. Là, il y en a un autre. On va voir si je peux. Sans gaspiller une bombe. Pipilipilou. Non, ça m'a... À moins que si je peux le... Alors... Est-ce que j'ai pas une arme à amalgamer avec ça? Voilà, ça fait toujours un truc un peu plus puissant. Je prends hein. Ah, elle a fini ce sanctuaire. Qu'est-ce que tu me donnes là? Une baguette magique. On s'en fout. Les deux prochains, on les gardera pour faire un peu d'endurance en plus. Faire full endurance. Non, oh, les lacs qui ressemblent à des lézards, c'est mignon. Hop. Là, il y avait rien ou... Attends. Ah merde. On va pas attendre. Et...
Bim. Oh, ça, j'en avais 23, j'ai toujours pas vu le mec pour ça. Bon. Allez, on monte. Ok. Bon là, on a tout fait. On va remonter un peu hein. Parce qu'on était censé à la montagne du péril, on se le rappelle. Donc on va remonter jusqu'à la montagne du péril et puis... Ok, allez tout droit. Ah, d'ailleurs ouais, là il y a une abîme. Ah, c'est carrément une partie qu'on n'a pas du tout visitée. Voilà, je vais foutre ma place dans mon tracé. On est pressé les gars. Ils y vont. Ils y vont, ils y vont. C'est pour rien un truc qui brille là. C'est bon. Je suis dans la bonne direction. Ouais, je suis trop bas. Ok, je suis dans la bonne direction. Et on va se rapprocher du point et puis après on va sauvegarder. On s'arrêtera là. Le grimpette à faire. Toujours en direction, tout va bien. Et on y va toujours à pied, bien sûr. Ah ah. On va y aller rapidement. On va se mettre là-dessus. On va surfer en reculant. Hop. Vous les gars, vous servez à rien. Continue d'avancer. Est-ce qu'il faut que je passe par la mine ou je passe par l'extérieur? Je pense qu'il faut que je passe à l'extérieur, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un sanctuaire dans les parages? Je sais pas, je crois entendre quelque chose. J'ai compris, je l'ai vu, je l'ai vu la Switch. J'espérais pouvoir passer au travers, mais... Et si je mettais la tenue d'escalade? Qui se trouve juste ici.
On grimpe quand même plus vite, hein. S'en rapproche. Allez hop. On y arrive. Cliffhanger. De musique motivation. Vu que le jeu veut pas daigner me foutre de la musique, hein. La pression, va-t-il y arriver? Ok. Non, il arrête. Pas du bon côté, moi je passe par derrière. Alors par contre, j'en suis où moi? Normalement, je suis au bon endroit. Quasiment. Je suis quasiment sûr. Question de direction. Ok. Allez. Allez, bim. Apparemment, elle veut pas se laisser rouler dessus. Alors. Ok. Oula. Marche arrière, j'ai dit.
Et là. Un petit coffre, c'est déjà tout, c'est déjà ça de prix. Oh. 31, on va dégager cela. On va vite fait prendre ça. Ah ouais, ils avaient fait ça pour éviter qu'on prenne notre véhicule. Comme je suis un fourbe, je récupère les flèches. Pas mis de guidon sur leur truc. Un guidon, non? Y'a rien à gauche là? Non, c'est tout sombre. Eh ben on peut piquer du nez. Ah ouais, pas beau ça. Poser directement livré devant le palier. Ok, alors est-ce qu'on va trouver le point qui clignote? Ça serait plus haut. Était sur la bonne voie. C'est par ici. Ok. Non, pas par là. Alors, faut lui parler. Ok, va lui parler. C'est là que ça s'est passé. J'étais venu inspecter la montagne de la mort, et puis je suis tombé sur Dame Zelda qui se tenait là. Elle m'a dit, tiens, voilà un masque pour toi, tu devrais l'essayer tout de suite. Et après, c'est le trou noir. J'ai beau réfléchir, après ça, je me souviens de plus rien du tout. Oh là là! J'en profite pour masquer des trucs qui étaient qui me dérangeaient là. Oh, elle est là. Ouais, c'est bon. Dame Zelda. Oh. Dame Zelda, il faut qu'on vous parle. N'y allez pas. C'est trop dangereux par là-bas. Vous feriez mieux de nous rejoindre. Oh. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Oh.
Angana. Angania. Oh, je suis sorti du cratère. Et il nous regarde en plus. Un monstre de roche rouge. Il y en a trois. Un monstre à trois têtes. Non mais t'as vu sa taille? D'où ça sort ce machin? On m'avait dit qu'il y a une créature... Attends. On m'avait jamais dit qu'une créature pareille vivait dans la montagne de la mort. Si on se débarrasse pas de ce monstre, Madame Zelda va... Mais il est ici, je peux pas le percuter. Comment on va faire, Link? Je pense qu'il faut se rapprocher. Ah, par contre, il faut que je me remette en tenue. Merde. Tenue parce que j'ai un truc contre la chaleur moi. Faire un coup de bataille aérienne. C'est parti. Si on n'arrive pas à prendre de l'altitude, on n'a pas la moindre chance. Ah. Ouais, mais je fais ce que je peux là. Hein. Le truc le plus maniable du monde. Okay. Le troisième. C'est vrai que j'ai les batteries infinies. Trop près. Voilà. C'est vrai qu'il y a votre portée en fait. Coupé. Alors, on va manœuvrer comme ça. Loupé. C'est parti.
Et je suis en train de faire n'importe quoi avec le gameplay. Qu'est-ce qu'il y a, Link ? T'étais pas assez préparé ? Eh oh, tu te calmes tout de suite. La prochaine fois, esquive ! Ah, t'as vu, tu as loupé. Alors, tu te calmes tout de suite. Alors. Oh, plus simple à viser. Je savais pas qu'on devait sortir du S-combat. Hein. Tu abandonnes ? Ah. Mais non, j'abandonne pas, j'essaie de tourner, trou nuque. Voilà, ouais, c'est pas Star Fox, ouais. Voilà. Je perds en pleine poire là. Sérieux, tu as loupé ? C'est parti. Putain ! Prochaine fois, esquive ! Allez, tourne. Allez, vas-y. Voilà. Eh ben putain. Merci. Bon, c'est bien, on s'aura fait ce combat là pour s'arrêter ici. Alors, est-ce qu'on va se poser ou est-ce qu'on va se voir se cracher comme une merde au bas de la fond? Ah, ok, ça va, on est posé. Bah, c'était un Tenia. Quoi ce truc? Je pensais que Dame Zelda avait disparu ici. Hein? Tu crois qu'elle serait tombée dans ce trou? Ce serait dramatique. Et Vic, vite, Vic. On n'a pas de temps à perdre. Faut trouver Dame Zelda. Ah bon, je crois qu'il faut y aller. Dame Zelda! Ok, voilà. On va sauvegarder ici. Et ce sera la suite vendredi. Ok, on se remet un peu de musique et puis le temps de lancer le raid chez Hyperion. Qui est sur du FF16. Ok. Hop. On lance le raid. Je te fais un petit SO parce que ça fait plaisir. Attends, je sais pas comment je fais. Faut que je. Je clique dessus. Non, comment, merde. Comment ça marche ce truc là? Voilà. Petit SO. Et dans une petite minute, on va raider chez Hyperion. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était plutôt cool. Le soir, même si c'était un petit peu tôt le matin. Mais. Voilà, j'ai décalé pour pouvoir faire le live quand même et puis avant de partir, donc j'espère que tu as passé, bon, écoute, profite bien de la fin de ton dimanche, j'espère que ça va se passer plutôt ok et puis je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien, bon courage pour la semaine, bon courage pour lundi, nous on se retrouve vendredi 22h française et 16h canadienne et ce sera le seul live de la semaine prochaine. Attendant là, bon courage pour la semaine et je vous fais des bisous. Et je vous mets sur l'écran de fin le temps que le raid commence d'ici une petite trentaine de secondes. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, on lance Action Man. Et à toutes. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette. Ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs. Je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture. Je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action. Ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais ? Pourquoi est-ce que tu te droguerais ?